Salut tout le monde! Vous donner 10 conseils, vous montrer 10 astuces qui vont vous faciliter la vie. Vous êtes prête à ajouter votre fond de teint? Je vous recommande de récupérer jusqu'à la dernière minute de votre fond de teint. Tout ce que vous avez à faire, c'est de prendre un pinceau angulaire, vraiment un pinceau vraiment fin. Et vous allez introduire votre pinceau dans votre bouteille, voilà, et récupérer tout ce qu'il en reste, voilà. Et vous avez ça. Simplement récupérer votre fond de teint avec des pinceaux angulaires. Deuxième astuce, vous pouvez éviter les dégâts du mascara sur vos yeux juste en utilisant une carte. Vous pouvez utiliser une carte de crédit, une carte en papier, tout ce que vous avez comme carte ou même tout simplement du papier. Juste appliquer le bout de papier et vous allez appliquer votre mascara juste au-dessus. Ça va vous éviter les dégâts vraiment catastrophiques au niveau des yeux. Troisième astuce pour faire sécher votre vernis très très rapidement, trempez vos doigts dans de l'eau et des glaçons. Il faudrait vraiment que l'eau soit vraiment glacée et ça va permettre en fait au vernis de durcir. Et voilà, ça va vraiment les sécher très très rapidement. Tada! Si vous avez les coudes et les genoux noircis, vous pouvez simplement les éclaircir avec du citron. Ce que vous allez faire, vous allez couper votre citron en deux. Vous allez frotter le citron sur les parties noircies chaque jour avant votre toilette. Voilà, cela va vous éclaircir les coudes, éclaircir les genoux. Et aussi pour ceux qui prient par rapport à leur religion, des fois vous avez le front qui est un peu noirci. Vous pouvez aussi utiliser le citron. Frottez votre citron sur votre front. Et voilà, c'est garanti que ça va vous éclaircir les parties foncées de la peau. Pour éviter les taches de votre lipstick sur les dents, des fois ça arrive, je sais, vous souriez et voilà, il y a plein de maquillage, du lipstick, du lip gloss sur les dents, c'est vraiment horrible. Pour éviter que votre lip gloss ou votre lipstick reste sur les dents, vous avez jusqu'à faire ça, prendre votre doigt et faire ça chaque fois que vous appliquez du lip gloss. Cela va permettre, je ne sais pas si vous voyez là, le lipstick en fait, il reste sur les doigts au lieu des dents. Donc vous pouvez faire cela une à deux fois. Jusqu'à ce que vous n'ayez rien sur les doigts. Ah, désolée. Si vous avez des mascaras qui ont séché et que vous ne pouvez plus les utiliser, pas grave, ne les jetez pas. Juste une seule solution, trempez votre mascara sec dans de l'eau tiède pendant 5 minutes. Voilà, vous aurez du mascara tout nouveau, tout beau. Si vous voulez raffermir vos seins, je sais, on veut tout raffermir nos seins, surtout quand on perd du poids, les seins ont tendance à... Vous savez ce que je veux dire? Tout ce que vous avez à faire, c'est de mettre un jet d'eau froide sur vos seins. Ça va aider la circulation sanguine au niveau des seins et ça va les raffermir. Donc, passez vos seins tout en jet d'eau froide. Pour avoir des dents blanches naturellement, je vous conseille de mettre du baking soda, c'est-à-dire du bicarbonate de soude, sur votre brosse à dents une fois par semaine. Ça va vous blanchir les dents naturellement. Brossez-vous une fois par semaine avec du bicarbonate de soude. Pour avoir les cheveux qui sont bons toute la journée, tout ce que vous avez à faire, c'est de sprayer du parfum dans votre brosse à cheveux et de vous brosser les cheveux. Vos cheveux sentiront bon toute la journée. Si vous voulez que votre parfum tienne toute la journée, appliquez de la vaseline sur les parties où vous devez appliquer votre parfum. Et ensuite, voilà, c'est garanti. C'est garanti, votre parfum tiendra toute la journée. Donc c'était tout. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'oubliez surtout pas de me laisser des commentaires. Gros gros bisous. Il suffit d'essayer.